désolé, on va un petit peu pas de course, mais on a un très très beau programme. Il y a un très très beau programme, ça veut dire un très très gros programme pour la journée. Et je vais donner la parole maintenant à Chantal Rialin. Alors Chantal Rialin, nous avons fait connaissance au téléphone, et avec beaucoup de plaisir. Vous m'avez expliqué que vous étiez auxiliaire de puéricultrice au départ, puis que vous avez perdu la vue, donc il a fallu changer de travail, et que vous êtes devenue assistante sociale, non sans avoir auparavant passé et réussi le concours d'infirmière. C'est un peu comme une blague, parce que vous saviez que vous ne pourriez pas être infirmière. C'est pour le plaisir de réussir. Voilà, donc vous saviez depuis l'âge vers la vingtaine que vous alliez être en meuble. J'allais dire, vous avez eu le temps de préparer, mais je ne sais pas comment si on se prépare à ce genre de choses. Et ce qui vous a le plus heurté dans votre vie médicale, dans votre vie de patiente, j'ai été très frappée par ça parce qu'on pourrait faire un livre noir de ce genre de phrase. C'est le jour où vous aviez, alors que vous étiez déjà assistante sociale, donc vous étiez auxiliaire de périculture titulaire de la faculté, l'ophtalmo vous a dit quel est l'imbécile qui vous a titularisé dans la fonction publique. On devrait faire un livre de ces phrases-là qui ont levé des bombes. Voilà. Vous êtes là pas seulement parce que vous êtes une assistante sociale aveugle, excusez-moi de résumer comme ça, mais surtout parce que vous êtes pilote. Voilà. Et évidemment, on se dit, mais comment? Alors, c'est ça que vous allez nous expliquer. Comment vous en êtes arrivé à piloter? Pourquoi? Ce que ça vous apporte? Et ce que ça vous apporte de le diffuser? Bonjour à tous et à toutes. Merci d'être venu parce que je suis attendue aujourd'hui. Eh bien, oui, je suis pas Rialin. J'ai bientôt 65 printemps. Et aujourd'hui, être handicapé, c'est pas un choix. Malheureusement, j'ai pas choisi. Il y a Madame qui dira, mon nouveau truc, c'est d'être handicapé. C'est pas une fatalité non plus. Si il faut, t'as pas de chance. Bon, il y a certaines pathologies qui sont des bombes à retardement. Et quand ça vous tombe dessus, il faut apprendre à le gérer. Et à apprendre à l'apprivoiser. Et vivre comme tout le monde. Bon, mais ce qui est le plus important, c'est la vie. La vie, elle a quand même des bons retentissements et ça permet d'avancer. Alors, je suis comme a dit Daniel, j'étais aussi à l'agriculture et puis, vous savez bien, pour toutes celles qui sont mamans, qu'un petit garçon, une petite fille à quatre pattes, ça court très très vite. Et quand on perd la vue, qu'on a plus de champ visuel, ça peut être très dangereux. Donc, il a fallu envisager une reconversion professionnelle. Et puis, j'ai passé un certain nombre de cours, donc, dont celui d'infirmière et celui d'assistante sociale. Infirmière, je savais que je ne serais jamais retenue à la visite médicale, donc j'ai été plus contente de faire mes études d'assistante sociale. Et j'ai entrepris après d'autres études. Le sport a toujours fait plus ou moins partie de ma vie. J'ai fait du patin à glace, j'ai fait un petit peu d'athlétisme dans ma jeunesse et à l'âge adulte. J'ai fait beaucoup de marches à pied parce que je suis plus une marcheuse que quelqu'un qui court. Et puis j'avais un rêve à 18 ans, je voulais devenir infirmière pourvoyeuse de l'air dans l'armée. Et puis. Je fais partie de la génération la majorité était à 21 ans. Donc pour rentrer dans l'armée à l'époque, si vous n'avez pas 21 ans, il fallait l'autorisation des parents. Je ne savais pas à l'époque que j'allais être atteinte de cette maladie qui est un jour vrai que je suis quasiment dans le noir maintenant. Et puis j'avais oublié qu'il y a une petite chose qui était importante. Je n'ai pas mangé assez de soupe. Donc pour l'armée, j'étais pas assez grande. Et bien, j'ai mis mon rêve dans ma poche. Et puis j'ai fait d'autres choses. Et puis, la vie faisant, on avance, on a des enfants, on rêve toujours d'avion quand même, parce que quand même, c'est se dire que quand on est là-haut, on voit plein de choses. Et ça, c'est quelque chose qui, pour moi, est devenu impensable. Et un jour, sur un salon dédié aux personnes handicapées, j'ai rencontré l'association Emiro Volant. Et alors là, déclic. Ah, je dis, tiens, ça, c'est peut-être le rêve qui va enfin se réaliser.
Et puis, alors, pas la première année où je les ai rencontrés, mais toute l'année suivante, 2 ans après, j'ai franchi le pas. Bien sûr, j'ai mis mes collègues de travail, et bien, je pars, alors, c'est un peu trivial ce que je vais vous dire, je leur ai dit, je pars m'envoyer en l'air. Puis les collègues m'ont dit, mais enfin, Chantal, c'est quoi ce discours, enfin, tout de suite, j'ai dit, vous avez l'esprit mal placé. Non, je pars faire de l'avion. Et alors là, mes collègues m'ont dit, c'est parti folle, folle, folle. Et maintenant, j'ai réalisé un rêve, parce que, en fin de compte, quand on est aveugle, très malade, eh bien, on peut piloter un avion. Alors, vous allez dire, tout simplement, on tient sa montre, on pousse la descente, comme les valides. Il faut savoir que nos pilotes de gros porteurs, ils ne voient pas ce qu'il y a. Ils ont pas accès à l'extérieur quand ils sont en commande de leur avion. Ils n'ont que leurs instruments. Donc alors, dans l'association, une chose qu'on dit très simplement, et avec beaucoup d'humour, on a la chance d'être pilote IFR, ce qui veut dire piloter vos instruments, tout en ne faisant que du vol VFR, du vol à vue. Bon, la vue, on l'apprend. Donc, alors, on ne pilotera jamais tout seul parce que le ciel est vaste et nous n'y sommes pas tout seuls, bien entendu. C'est un sport de loisir pour nous, parce qu'on ne sera jamais pilote professionnel, puisque nous n'avons pas la vue pour pouvoir être pilote professionnel. Mais c'est un vrai sport de loisir et c'est un sport où on a énormément de plaisir. J'entendais Marie-Amélie et les autres intervenants parler de ce plaisir. Il faut que ça reste du plaisir. Et dans le sport, il n'y a pas besoin de faire des sports très heureux. La marche est un sport gratuit quasiment et qui permet de se faire excessivement plaisir parce qu'il y a l'environnement qui est autour de nous. Et quand on marche, et bien on libère plein de choses. Alors, dans le ciel, évidemment, je suis toujours avec un pilote instructeur ou un pilote breveté qui nous accompagne. Et là, je suis en commande de l'avion, ou du planeur, parce que je fais aussi du planeur. Hein. C'est un sport qui est très appréciable. Alors on peut dire, pourquoi prendre un avion si tu ne vois pas ce qu'il y a en dessous? Moi, j'ai la chance d'avoir vu, et lorsque j'ai un pilote ou un instructeur, c'est utiliser les bons mots et décrire ce qu'il y a en dessous de moi. Je vois ce qu'il y a en dessous de moi, il n'y a pas de souci. Et du décollage jusqu'à quasiment la phase d'atterrissage, nous sommes aux commandes, des avions, des planeurs. Il faut savoir que dans le monde aéronautique, les femmes sont assez peu nombreuses, elles ne représentent que 8% de la population qui fréquente le monde aéronautique. Mais chez les au volant, l'année dernière, nous étions 40% de filles. Ce qui est quand même, alors on est une nation tout handicapée, hein, donc 40% de filles. Donc c'est la plus belle réussite qu'on puisse avoir. Et puis, depuis 2016, certaines d'entre nous ont réussi un brevet théorique de pilote. Et ça, c'est quand même une grande aventure, parce que l'association du mouvement volant est la seule association au monde à permettre à des personnes aveugles et malvoyantes de piloter. Donc, on est vraiment une exception française. Ça veut dire, est-ce que ça veut dire qu'il n'y a qu'en France que ça se pratique? Il n'y a qu'en France que ça se pratique, au moins en association.